Depuis vendredi après-midi, businessman Jacques-Emmanuel Jean-Louis, propriétaire souris Rent-Cor, trouvé en bas de la police qui a arrêté le sous accusation marchand de drogue. Un jour après avoir dirigé l'opération SAR, commissaire gouvernement Kouadebouke Aleni Telisma posé ses journées samedi à sous maison location machine prévenir dans tabac. Chef paquet a été gagné avec agent service contre drogue États-Unis DIA, BLTS ak BRI, deux unités spécialisées police nationale qui t'a fait fouille dans Kaila pour bousquer Zamak drogue. Yo rive joine 22 machines ak plusieurs dizaines sak diri selon commissaire Leni Telisma qui précisait Jacques-Emmanuel Jean-Louis fermé pour kounia nan gadavi BLTS la nan DCPJ côté otal poser le question sur activité trafic drogue ak blanchiment l'argent yo dit li tap mené li ta gen sou dol tout accusation volette sans pa gen anken précision sur question ça sans le pas capable dit si gen un traité extradition qui était signé en Haïti ak États-Unis met Leni Telisma annoncé. Sans dire peut-être, monsieur Jean-Louis doit à reconnaître lui avant longtemps devant la justice américaine. Commissaire gouvernement Kouadebouke a te répondu question Robinson Henry à Reginald Jean-Louis qui était sous place pour Télékiskeya pendant opération posée Célessa qui fait dans sourire ou un tecor. C'est pas un bagage arbitraire qu'a fait. Son bagage illégal comme nous connaît que mission paquet c'est agir de façon légale pour nous pacifier paysans, pacifier société et permettre que tout le monde vive dans la tranquillité. C'est ainsi que M. Saar et son équipe étaient très recherchés par la police depuis bien longtemps, mais malheureusement, nous n'avons pas été capables d'arriver et joindre nous. Mais hier, je ne connais pas qui 5 décembre. Au moins, bon, donc nous faisons un coup de pied arriver son propriété que M. était volé, il a accaparé de manière illégale. Et que c'est pendant que je fais visite sur propriété, je suis arrivé, je suis venu M. poser la question, je me suis dit comment il est. Il dit non. Et je me suis dit non déjà parce que j'ai un dossier qui était soumis dans le paquet pour les suites légales. Et que je me suis dit une photo, monsieur, je m'ai identifié et immédiatement procédé à l'arrestation, monsieur. Et normalement, on a regardé le bâtiment ça qui là, il y a des contenus là-dedans. Est-ce que nous avons déjà vérifié les contenus de bâtiment ça? Ce sont des sacs et dis-nous qui sont là-dedans. Et je crois qu'on a vérifié là parce qu'il y a des sacs de riz, il y a 22 machines là et il y a contrôlé. Agent va contrôler là, nous avons pile bagaille qui a fait là pour contrôler bayo. Très bientôt nous allons venir là pour nous contrôler bayo si pas gagné droit dedans, on a cherché tout bagaille ça. OK? Donc nous va le poser scellé puis juge de paix. Hein? Il pourra le poser scellé pour nous capable faire suivi question ça. Et toute suspicion vous dit nous c'est qui ça? Trafic illicite de stupéfiants. OK. Blanchiment d'argent. OK. Et qui dernier mot autour de présence nous et qui fait l'argent? Dernier mot nous connaissons un gouvernement ça. Son gouvernement qui travaille pour sécuriser paysans, pour mener pays à bon port. Le gouvernement ça, depuis le monté, la prononce seul bagaille, état de droit. Donc action ça n'a pas mené là, c'est toujours dans quatre états de droit, n'a pas mené action pour les peuples haïtiens au moins capable de respirer en l'autre gens, capable d'une justice comme nous connaissons déjà. La justice n'est pas une affaire de cœur ou de sympathie personnelle, mais c'est une œuvre de bon sens et de raisonnement. Ok, on nous dit, M. Ligue plein de ça depuis 2 ans et sous dol d'elle. Qui est-ce qui t'a porté plein de ça? Est-ce que c'est de mon privé ou bien mon raisons, pour des raisons morales, dans les prochains jours, nous avons gagné pour nous vérifier, puis tout, même à toi, plein de choses. Même à toi, annoncer non, c'est pas un bagarre arbitraire, c'est ça que fait M. Douce à l'heure là. Pas gagné arbitraire, qu'a fait pas gagné abus, au contraire, elle m'a arrêté, monsieur, hier. Monsieur, il a été bien traité, ni par le commissaire du gouvernement, ni par les agents du BLTS, par les agents de la DCPJ. Il a été bien traité. Mais pour le présent moment, monsieur Longlieu est sûr en attendant les suites légales. L'autre arrêté là, il était mon avel, s'il était mon avel, qui mon ça a été? Il était seul avec le chauffeur de la machine. Okay. Est-ce que nous procédons à l'arrestation du chauffeur? Non, je ne vais pas procéder avec l'arrestation du chauffeur. Je vais avoir plein de déposer contre le chauffeur. Nous-mêmes, dans le paquet qui nous pas là pour nous faire mon abus. C'est ça que fait me dit nous. Le gouvernement, ça, c'est l'état de droit. La prône, et nous connaissons l'état de droit. Ce n'est pas le gouvernement des hommes. C'est le règne des hommes. Nous arrêtons le monde, nous avons le traitement que la loi m'a demandé pour nous. Agents policiers, ils ont bien traité monsieur et m'ont assisté. Côté que j'ai traité lui jusqu'à ce qu'il conduise. Dans BLTS, parce que c'est moi-même personnellement qui ai arrêté monsieur. Mais nous ne pouvons pas trouver des armes machine. Non, nous ne pas jouer monsieur avec des armes que téléphone, avec portefeuille qui était dans la poche. Ah, pour le moment, propriété ça, lien bas contrôle qui est. Propriété ça, pour le présent moment, on a posé scellé sous lui en attendant que la justice fait chemin. Mm-hmm. Okay.
Et combien de machines nous dit nous jeunes? Nous avons 22 machines qui là. Et que, comme nous constatons, il y a un pile sac d'huile. Et je pense que la douane tout a bien pour faire apparition palme puis venir vérifier si bagage ça est légal. Mélanger des stupéfiants, vous pensez? Non, nous pas qu'à dire stupéfiants parce que nous pas qu'à mentir, mais nous disons et la minute n'a pas la voilà là, nous gain doute. Jean-Marchand dit ça et là nous dit nous gain doute, mais nous pas dit stupéfiants.